Bonjour. Bonjour. Ça va Omar? Ça va et toi, comment tu vas? Tu fais la route, c'est bon? Bah attends, on vient pas non plus c'est de Boulevard Lainec hein. Ici les gars. Ah. C'est bah, où ouais. Mais c'est si c'est Boulevard Lainec, c'était bien. Tu es avec qui? L'ingénieur du son. Ok. Donc c'est l'équipe de. Ça vient de la rue, c'est ça, c'est bien spécifique à l'émission. Okay. Ah ouais, non, on est spécifique. D'accord. On garde l'équipe. On garde l'équipe. Donc là, on est à Saint-Nazaire. Vous connaissez Saint-Nazaire? Pas du tout. Pas du tout. Mais on veut pas connaître, hein. Non, mais on ne veut pas voir ça non plus. Donc. Qu'est-ce qu'il sait, Adam? On va véritablement sur son palmarès, parce que quand même, c'est un sportif, et puis sur la marque qu'il développe. Voilà, on fait streetwear, on essaie de toucher à tout. Sachant que les quartiers populaires, il y a en fait de ce côté. T'aimes bien, t'aimes pas. Donc voilà, on vient aujourd'hui en fait faire une émission spéciale un peu Saint-Nazaire, c'est notre dernière de l'année. Et donc dans le cadre de cette émission, on va faire un petit peu le programme qu'ils ont, on va suivre un peu leur programme. Et donc on aurait bien voulu faire une interview de toi, de ton travail, de ton équipe, etc. etc. Voilà, on va te suivre en fait. Hein, dans le cadre de ton travail là, d'aujourd'hui. D'accord. Puis après, on prendra un temps, 5-10 minutes pour... Pas de soucis. Hein, pas de soucis. Voilà. Bon, le seul truc, c'est que nous aussi, on puisse caser nos interviews, parce qu'on était là aussi pour vous interviewer, donc ça va être, ça va être chassé-croisé, donc il n'y a aucun souci. Donc nous, c'est une émission qui a 3 ans. Samuel, c'est un peu l'initiateur, parce que lui, il travaille à Télé Nantes, il est caméraman et monteur. D'accord. Et donc, on l'a monté à 2 pilotes, et puis après, ça vient plus. Et Jeff, lui, il est ingénieur du son. D'accord. Donc, il est bien... Ouais, c'est ça. Ouais, c'est si vous faites de la moto, vous pouvez mettre les câbles aussi. Ah ouais. Mais après, t'as un cross, donc on doit faire sur la route et après, la police qui arrive. Là, tu dis, passe quoi? En direct, et toi, tu me parles directement comme si, bon, t'étais pas bien, quoi, ici. Non, la mec, je suis pas bien, c'est bien. Ouais, c'était bien, niveau... Les amis et tout, on t'énerve bien entre amis. Téléphone, c'était. On t'énerve pas assez, quoi. Ça manque de choses, quoi. Comme par exemple, pour faire de la moto au cross, par exemple, faut aller loin et juste pour en faire. Y a personne qui. Vous avez pas demandé à avoir un terrain, quelque chose. Y a personne. Y a des gens comme Babre, comme moi. Il faut qu'on montre que au lieu de faire peur à des gens à la France, de faire peur à la France, on fait des radios, on les montre et on leur montre simplement qu'ils veulent faire des choses, tout simplement leur donner certains moyens. Et ça peut mieux se passer. Voilà. Donner aussi des moyens à des gens comme Badr aussi d'aller dans les quartiers, parce que je pense que ils ont. Là je suis en train de voir dans tous les quartiers de France, ils ont un besoin de rencontrer des gens qui les comprennent et qui parlent des fois aussi comme eux, parce qu'aujourd'hui il y a une ouverture. Déjà je vais demander de te présenter. Bah écoute, moi je m'appelle Street Life, je fais un magazine qui s'appelle Street Life, on a commencé en DVD il y a quelques années, il y a 55. On sortait des DVD avec un journaliste qui s'appelle Universal Sony. Ensuite on a fait une émission de télévision avec Street Life, ça un site en fait de l'actualité de la musique urbaine, aussi on passe par le graphe. Je dirais par le milieu hip-hop, le domaine hip-hop, le graphe, le rap, la danse, le DJing et le sport aussi. Donc on réunissait tout ça sur les DVD, on a fait des émissions là-dessus. Et ensuite beaucoup de déclinaisons jusqu'aujourd'hui, il y a un concept qui s'appelle les infréquentables, donc sillonne la France pour montrer les quartiers populaires. Et les bons côtés comme les mauvais en fait, et quels sont les toi, imagine, tu t'engages sur quelque chose, tu te motives en pensant de ça, tu vas y arriver et ensuite tu fermes la motivation. Ensuite, même, je dirais même que j'ai ta mère, t'es une énergie là. Tu passes du mauvais côté en pensant que tous les gens te veulent du mal et ne t'écouteront jamais. Donc moi je veux montrer ces jeunes qui veulent justement réussir. Il faut leur montrer qu'on s'intéresse à eux, il faut aussi leur montrer des exemples de gens qui ont réussi et qui leur ressemblent, ou même qui ne leur ressemblent pas forcément, mais qui ont réussi en partant des mêmes bases. Aïe aïe aïe, ça va rater un bouffeur de daltonien beauté couleur. Yeah. Les gamins, les meufs, les gens
je leur dis. Mais il n'y a pas la musique, c'est pas grave. T'as cherché une musique sur CD là, Naomi? T'as pas de musique sur CD là? Mais il n'y a pas les musiques. Non, mais nous, on s'en fout pas. Ok, c'est juste pour moi. Donc ça fait comment? En Mombi. En Mombi. Le Black Eyed Peas. Le Black Eyed Peas. Okay. Le Black Eyed Peas. Et donc c'est la seule que vous avez à 5, vous en avez d'autres? On a d'autres. Ah non, mais j'ai une sortie. Attends. Ouais, alors vas-y. C'est bon? Mets-toi en balle. Tu le fais bien alors? Oui. Ok. Mais c'est clair qu'on a tous des rêves, tous ici, même ceux qui font les bonhommes, ils ont des rêves, tu vois ce que je veux dire? Mais après, est-ce qu'ils ont les épaules pour les vivre? Est-ce qu'ils ont les moyens pour les vivre? Est-ce qu'ils ont la chance de pouvoir le vivre tout simplement, de se rendre compte qu'ils ont un rêve, tu vois ce que je veux dire? On est plus là maintenant, les jeunes ils pensent pas à se dire ouais je vais rêver. Non, ils vont se dire ouais je vais manger. Et même s'ils ont un rêve, quelque chose à laquelle s'accroche, tu vois, ils en sont même pas conscients eux-mêmes. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il n'y a plus de valeur dans ça. Tu vois? Toutes les valeurs elles sont perdues à tous les niveaux, comme il disait le mec dans la vidéo là tout à l'heure, j'ai bien aimé. C'est un problème de fond, c'est clair, ça va plus loin, beaucoup plus loin que tout ce qu'on pourra dire ici. Et vous le savez mieux que nous. Tu vois ce que je veux dire? Du coup, tu te retrouves vraiment sur la vidéo ou pas? Ah bah, parce que, bon, les gens de la vidéo, c'était pas des gens de Saint-Nazaire. Est-ce que tu penses que, justement, c'est après le mec qu'on trouve dans tous les quartiers? Moi, je vais te dire, à la base, je viens de Paris. 3-12 Bagneux, tu vois. J'ai vadrouillé dans le 9-5, j'ai vadrouillé dans la Juvisy-sur-Orge, Saint-Denis, j'ai habité avec du président Wilson, j'ai habité ici, j'ai habité à Juvisy, j'ai connu des quartiers, ça fait pas de moi la sur-Orge, tu vois ce que je veux dire. Mais c'est toujours le même problème, il y a toujours des jeunes dans un coin. C'est clair, comme il disait aussi tout à l'heure d'entre eux, il y a des jeunes, ils vont venir vers vous. Il y a d'autres jeunes, ils sont introvertis, ils peuvent pas, ils ont pas la capacité psychologique ou morale de venir le faire, tu vois ce que je veux dire. Ces gens-là qu'il faut aider aussi, tu vois, avant les autres, tu vois. Et c'est peut-être en voyant, nous, de toute façon, rien qu'aujourd'hui, là, on remercie le frère qui est venu, là, Sinaï, parce que sans parler qu'il représente Street Live ou quoi que ce soit, ça reste un être humain. Le peu qu'il a amené dans la cité tout à l'heure, c'était bon, ça a donné du bon au cœur à tout le monde, tu vois ce que je veux dire. Une petite photo, ça permet d'exister, tu vois ce que je veux dire. Ce soir, on s'endormira, peut-être un petit peu mieux, on sera pas riche demain, tu vois, mais... Tu vois ce que je veux dire? C'est ces petites choses-là qui nous amènent le plus. Tu vas pouvoir mettre une structure autour d'un jeune. S'il n'y a pas d'ambiance, s'il n'y a pas d'amour, s'il n'y a pas de compassion, s'il n'y a pas tous ces sentiments qui font que bah, les hommes ils sont resserrés, ça sera toujours comme ça. Ça sera toujours comme ça parce que le problème il est là. Hey Dylan! Quoi? T'écoutes quoi comme musique? Levez le mic. C'est quoi? Une chanson de plusieurs rappeurs de Saint-Nazaire. Vas-y, viens, écoute. J'aime le mic à trop pas dire, un des tamas ça pue l'inspire. Trois maudire, trois décrire, y'a pas de joie dans l'écriture. Je rappe pour ceux qui ont mal de vivre et pas mal de merde. Pour ceux qui en donnent un air qui sent la révolte guerrière. Rappeuse aux solutions textuelles et non sexuelles. Le rap comme conviction, pas comme salaire mensuel. Je représente les oubliés, les opprimés qu'on pas pillé. Car j'ai des choses qu'on écrit pas sur papier. Un simple microphone m'a permis de crier mon espoir au monde. Ça paraît tout bête, ouais, mais cette magie me parle pas d'électronique. Ça t'aidera pas à comprendre quand t'aimes c'est kick le mic, c'est organique. Musique à polygamie, c'est facile comme mes gamines. Je plie les mots pour plier le beat, c'est de l'origami. Je lève le mic pour le peuple, je lève le mic pour ceux qu'on entend peu. Pour te faire passer le bon temps, on lui perd mon retard.